thank mm -hmm. you Accepter de venir ce soir. Vous connaissez tous Noël Châtelet. C'est une militante depuis très longtemps, une écrivaine militante. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent son livre, La dernière leçon, mais elle a écrit plein d'autres livres. La dernière leçon sur la mort de sa mère, Mireille Jospin. Il est sorti en 1980 combien ton 2000, livre 2002. Donc merci à Noël qui va nous faire la lecture de quelques extraits de son livre La femme coquelicot, euh, une vieille dame qui a décidé de devenir. D'accepter de devenir amoureuse à plus de 80 ans. À 80 ans. Voilà. Et donc. Euh, elle n'a va... pas accepté, ça lui, ça lui est tombé dessus. Oui, mais quand même. Non, mais il faut préciser. <laughs> voilà. Donc, vous pardonnerez à Noël le fait que la pauvre, elle va être obligée de modifier un peu sa mise en scène, la mise en scène qu'elle avait travaillée pour vous, de notre fait, parce que la technique n'a pas suivi. Et que j'ai mangé quelques consignes ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas très bien, mais c'est peu important. Sauf pour Noël, qui va être obligé de s'ajuster. Merci Noël, et elle va vous raconter comment cette mise en scène a été pensée et mise en œuvre pour la première fois. Oui, je voulais. Euh, c'est gentil de me dire écrivain militante. C'est vrai, je me sens un peu comme comme ça. Je pense de la littérature à sa place pour mener des combats de société. Et il me semble que les amours tardives étaient, étaient un sujet qui avait sa place dans ces rencontres que nous vivons en ce moment, parce que moi, ces rencontres, je les vis, enfin, vous aussi d'ailleurs, je suis sûre, avec le plaisir d'un vrai partage et euh, d'une vraie sincérité. On ne se voile pas les yeux, on parle de tous les sujets qui touchent à la vieillesse. Ça nous importe à tous et on n'en parle pas d'une manière institutionnelle. On en parle avec nos cœurs, nos âmes, nos tripes, nos corps. Voilà. Donc, euh, j'ai proposé effectivement qu'on lise quelques extraits de La Femme Coquelicot. La Femme Coquelicot est un livre qui a. Je crois que je vais demander de l'eau parce que je. Déjà, un livre qui a euh, 26 ans, à une époque où effectivement on ne parlait pas du tout à ce moment-là des. Des amours des, des vieilles personnes, des aînés. Et euh, en ce qui me concerne, j'avais fait une longue, longue euh, enquête dans les milieux de la chirurgie esthétique, qui est devenue aussi un livre. Et je suis sortie de cette enquête dans un état de colère absolue, non pas contre les personnes qui vont vers le scalpel, mais contre la société qui pousse tellement de femmes. À s'angoisser sur leur, leur, leur vieillesse, et, euh, et, 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 et j'étais dans un, une grande colère contre cette société du paraître qui euh, poussait euh, vers le désespoir un certain nombre de femmes qui, du coup, surtout des femmes, avaient terriblement peur de vieillir. Voilà. Donc j'ai utilisé euh, ma colère pour écrire un, un livre qui s'appelle La Dame en bleu qui précède la femme Coquelicot, que je, vous, je voulais situer les choses. Et c'est un conte assez subversif, qui est l'histoire d'une femme de 50 ans qui a envie de devenir une vieille dame avant l'âge. On voit bien pourquoi c'est un conte. Voilà. Euh, elle, était, elle, elle découvre la vacuité, la liberté retrouvée, etc. Et puis les amours, pouf, n'en est plus question. Mais j'ai reçu du courrier. Et c'est avec ce courrier aussi que je travaille. Votre courrier, vos lettres. À vous. Qui est là. Et parmi ces lettres, il y en avait beaucoup qui disaient Mais alors quoi Non, mais ça ne va pas du tout. Mais l'amour, alors eh ben, L'amour, alors, je l'ai fait revenir. Je l'ai fait revenir avec le même personnage, la dame en bleu, qui va passer au rouge, au rouge de la passion. Voilà. Et euh, alors, c'est une fiction, mais j'ai quand même entendu parler de ces amours je les ai découvertes tardivement et je me suis rendu compte à quel point elles étaient tabous. Cachées, et elles le sont encore. C'est pour ça que la, dame, la femme coquelicot, je crois, n'a pas pris tellement de rythme, comme dirait un esthéticien. Elle, est encore, euh, elle, elle a encore sa place aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de euh, cette idée qu'il y a une indignité à s'aimer quand on est vieux, et les photos que vous avez vues là-bas euh, l'expriment très bien. J'espère que vous avez vu cette magnifique exposition de photos. Ça l'exprime très bien. Il n'est pas indigne d'aimer avec un corps vieilli. Et en effet, cette dame en bleu va devenir une femme coquelicot avec un monsieur très coquelicot aussi, un peu plus âgé qu'elle. Et elle va passer, d'une certaine manière, euh, se métamorphoser de la vieille dame à une jeune fille retrouvée, puisqu'elle a été... Mère, mariée, mais elle n'a jamais été amante. Elle va devenir femme à 80 ans, grâce à la vertu de la littérature. Soupirer, même sans raison, c'est apaisant, frais, ces petits coups de vent de l'âme. Oh, pour se redresser, s'asseoir sur le bord du lit, il faut des précautions. Hein. Désengourdir les membres, consentir déjà les lancements de la hanche gauche qui m'accompagnera jusqu'au coucher. La pendule marque euh, 8 heures, forcément. La bouilloire bout le pain gris. La surprise va venir de l'infusion de thé. Cette idée ne m'enchante pas autant qu'à l'ordinaire. Pire, si je m'écoutais, je dirais que l'odeur du thé me soulève le cœur. Le cœur est tranquille. Ma répugnance au thé m'étonne, m'intrigue. J'ai envie de café. Après vingt ans de thé assidu, j'ai envie de café. Le thé avait dû naître d'une sorte de contrainte, de débâcle de tout le corps. Le jour des obsèques d'Edmond, les forces m'avaient manqué de me retrouver seule avec le café au lait devant la table de la cuisine. Plus d'une fois, pourtant, j'avais rêvé de prendre en paix mon petit déjeuner sans Edmond. Ces grommellements, toujours contrariés par quelque chose ou par quelqu'un. Edmond le maussade, le bilieux Edmond. Une image, une image. Hier, l'homme au milieu de cache à la brasserie des trois canons, l'après-midi. Hier, il portait un foulard assez chic, grenat. Hier, il s'est tourné vers moi, il a lentement levé sa tasse, et semblant me destiner le café dont l'arôme puissant s'enroulait autour de moi, il l'a bu sans me quitter du regard, comme s'il voulait m'associer à cette intense dégustation. Je n'avais pas scié. Son regard avait un rien de fraternel. Et ses mains, ses mains si fortes malgré son âge, à trois tables de distance, par la seule force de notre fantaisie commune, j'ai bu avec lui jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, euh, il s'est replongé dans son carnet à dessin et j'ai fini ma verveine définitivement insipide. J'ai repris mes mots croisés, géant, au centre de la grille, un mot a attiré mon attention, projet. Terme pour définir une intention particulière. Deux projets, j'en ai un. Une intention aussi tout à fait particulière. Après tant d'années sans envie, sans le moindre caprice, j'ai l'intention toute particulière de me rendre aujourd'hui même à la brasserie des trois canons et je commanderai deux cafés, dont un pour moi. Et de petits noirs de le serveur voltige, on dirait qu'il éprouve une certaine satisfaction à me servir autre chose que ma verveine habituelle. Il a hésité avant de me faire préciser qu'il s'agissait bien de deux cafés. Ah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Dans mon plan minutieusement pensé et repensé, je n'ai pas à envisagé à un seul instant qu'il puisse ne pas être là. En général, à trois heures, aux trois canons, il est déjà attablé à croquer les quelques clients sur son carnet à dessin. Et puis tout simplement, il devrait être là. Je me sens désorienté. Ce que j'éprouve aussi confus, ce n'est pas uniquement du désappointement. Le désappointement, je connais. Je me sens humiliée et même trahie. trahi Trahiée par son absence, à lui. Humiliée par ma présence, à moi. Sans compter le ridicule des deux cafés fumants, dont je ne sais pas lequel est le mien. Oh, je revois le tableau, fignolé toute la matinée. Moi, grande dame, souveraine, faisant porter par le serveur le café à la table de l'homme au milieu de cache -col. Lui, surpris se levant, troublé, s'inclinant vers moi, me remerciant, puis m'invitant à le rejoindre. Moi, fine, déliée, ne vous devais-je pas un café Lui, empressé, mais courtois, renouant, maladroitement une écharpe de soie blanche. Allons, madame, c'est moi qui suis votre obligé. Je vous dois le bonheur de l'avoir bu hier avec vous. Pff, je m'en veux. Tout cela est grotesque, grotesque, l'idée des cafés. Rodesque la mise en scène et le temps passé à la peaufiner comme une gamine espiègle. Romanesque, romanesque. Que de fois je l'ai entendu ce mot. De mon père d'abord qui me taquinait, qui me traquait même au plus intime de mes lubies de petite fille, trop sensible, trop esclavagante. D'Edmond ensuite, bien sûr, dont les principes et la morgue ont fini par étouffer en moi les derniers sursauts de mon imagination, de mes rêveries. Tout cela est grotesque. Et pourtant, ce n'est pas grotesque, pour une seule raison, ah. une raison simple, je m'amuse. Malgré la trahison, malgré le ridicule, depuis hier, trois heures de l'après-midi jusqu'à aujourd'hui même heure, intensément, je m'amuse, tellement que j'en oublie mes mots croisés, tellement que j'en bois les deux cafés toujours sans savoir lequel m'est destiné. Depuis cette journée au Deux Cafés, je m'aperçois que mon existence s'est en quelque sorte haussée d'une marche. Tout est semblable, mais avec un degré de plus. Je veux amplifier les bruits, voire éclater les couleurs. J'ai besoin de sensations plus concrètes, plus de proximité avec les choses et les gens. Je m'émerveille d'un rien. Je suis censée me lever. Alors je vais me lever. Ce n'est pas dans le texte. Ils sont tous là. D'un côté Paul et sa femme, Lise, avec les deux garçons. De l'autre, Céline, ma fille, avec la petite Mathilde. Le gâteau au chocolat de Lise est une réussite, les roses de Céline sont somptueuses, il me félicite pour mon café qui n'a jamais été aussi bon. J'approuve et me resserre. Tu bois du café maintenant Oui, je n'ai plus envie de thé depuis quelque temps. Fais attention quand même, ce n'est peut-être pas indiqué. Mon cœur va bien. Ne s'est jamais aussi bien porté, je crois. Euh, au fait, je voudrais bien changer les rideaux et le couvre-lit de ma chambre. Ben, je les trouve un peu, comment dire, un peu vieillots. Oui, c'est cela. J'aurais besoin de plus de gaieté, de couleurs vives. Du rouge ou du violet, par exemple. Euh... On est bien content de te voir en si bonne forme, maman. Mais la gardienne du quartier nous a dit que c'est pas sûr le soir, on n'aime pas trop de savoir dehors comme ça, toute seule. Si je ne les aimais pas autant, mes enfants. Je ne détesterai pas juste un instant faire durer leur inquiétude, les soumettre à la légitime revanche du souci. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je ne sors pas toute seule. Je suis toujours accompagnée. Je ne peux m'empêcher d'éprouver un certain orgueil. N'est-ce pas détectable, délectable d'intriguer ses propres enfants après tant d'années de platitude. Ne pas en dire plus, entretenir le mystère, je laisse le silence faire son œuvre. Ma belle-fille sauve la situation. Si Manou est accompagnée, je ne vois pas où est le problème. Le téléphone, ben il est là-bas, euh, je devais aller là-bas, euh, je reste ici le téléphone c'est l'homme au milieu de cachecol oh c'est Félix j'aurais préféré être seule pour jouir de cet instant secrètement espéré j'aurais préféré vous comprenez ne pas avoir sur moi ces yeux qui me questionnent, cette muette attention de toutes de tout, tous, ne pas éprouver cette impression d'être sous surveillance, et pourtant, cependant, qu'ils soient tous là, qu'ils soient tous là, n'est pas pour me déplaire. Euh, pourquoi ne pas leur faire savoir que quelque chose a changé, que je ne suis plus tout à fait la même femme que j'étais jusqu'ici. Pourquoi ne pas les préparer à me regarder autrement, à découvrir une femme du nom de Marthe qu'un certain Félix appelle à l'heure du goûter un dimanche euh, C'est pas facile. Euh, bonjour Félix. Euh, libre Eh bien, je. On dirait que tous attendent ma réponse, la réponse à une question soudain essentielle. Suis-je libre Suis-je libre de mes actes, de ma vie Suis-je libre de tous ces êtres chers qui, à force d'affection, m'ont entravé jusqu'à l'oubli de moi-même, jusqu'à l'insignifiance Un opéra exceptionnel oh barbier de ses villes de rêve, un chef d'orcas somptueuse, je n'ai qu'un mot à dire, un mot. Oui, je suis libre. Il s'occupe de tout. Il viendra me chercher. Il est fou de joie. Tout ça est un peu compliqué, mais j'y arrive. La soirée est au rouge, il y a le velours cramoisi des fauteuils, les lourds plis incarnats des rideaux qui encadrent la scène. Il y a la robe tango de Rosine dont le teint si vermeil, empourpre le sang à vif du jeune comte Almaviva. Et puis il y a Figaro, Figaro le feu follet, l'incendiaire, le pyromane des cœurs. La soirée est au rouge parce que l'homme au milieu de Cachecol a choisi l'écharpe Grenat, que je brûle d'un feu continu. Comme si le souffle de Rossini attisait en moi des braises adolescentes qui n'en pouvaient plus de couver. C'est la première fois que j'assiste à un opéra. La première fois que je vois chanter l'amour. Les vocalistes de Rosine, sa gorge gonflée de vibrato, me remue au plus haut point, lorsque les amants se retrouvent en duo, leur roulade folle et harmonieuse marrage, des petits cris d'excitation. Je n'aurais jamais imaginé que deux êtres puissent s'unir par la grâce d'un accord ou d'une modulation partagée sur la cime aiguë d'un trille ou d'un contrute. À mes côtés, il est là, à mes côtés, l'homme au milieu de cache semble vibrer pareillement lui aussi et porté au rouge à l'incandescence. Lorsqu'un petit cri m'échappe, il se tourne vers moi et me jette un regard de fierté comme s'il était pour quelque chose dans cet émoi comme s'il avait lui-même écrit cette musique pour obtenir de moi ce petit cri là à la fin du premier acte sa main demeurait sur mon poignet à cause à cause de l'excès de beauté de l'allégresse générale à nouveau j'en éprouve le poids la troublante moiteur c'est donc cela une main d'homme cette cavalcade de sensations fait exploser mon ciel bleu et nu il me semble être né ce soir à l'intensité des choses à la brûlure du monde et surtout j'ai chaud j'ai chaud moi qui ne transpire jamais voilà que je ruisselle mon corps entier est en surchauffe une chaleur qui rythme chaque Coup de fouet du cœur, lui-même effréné, lui-même parcouru, d'étincelles, de gaieté et de rire. Oh, C'est l'entracte. L'homme au milieu de cache s'éponge le front sans un mot. Oh, Je lui suis reconnaissante de ce silence et d'avoir si chaud lui aussi. Autour de moi, de nous, les gens s'agitent, commentent, se lèvent, ajoutent à la fièvre, puis la salle se vide. Mon poignet, cette frêle part de moi-même, cassée par l'usure, cassante comme le verre, il ne m'appartient plus vraiment. J'en ai fait don sans me poser de questions, sans même craindre qu'il ne se brise. Le verre ne craint pas la brûlure des braises, et je veux brûler comme Rossini, et dans son flamboiement, Une lettre. Première lettre. Premier mot écrit de sa main, la main qui dessine, qui me dessine, la main qui tremble parfois sur le verre de Porto. Les seules lettres qui m'émeuvent, ce sont les lettres de mes petits-enfants. Mais ouvrir une lettre d'homme d'un homme qui m'écrit pour la première fois, qui n'est ni un mari, ni un fils, ni un fonctionnaire. Ouvrir la lettre exige des précautions, tant pour la lettre elle-même que pour la femme à laquelle elle est destinée, fragile comme son poignet. Ce que je lis est lu. Ce que je lis sera lu. Ce que je lis ne peut pas se dire, se raconter. Ce que je lis parle à ma tête, à mon corps, à mes sens endormis qu'un homme réveille. Cette lettre est la lettre que j'aurais dû recevoir à 17 ans avant que mon père me fiance à Edmond. Cette lettre est la lettre d'un chevalier, de celui que j'espérais et que j'ai toujours attendu aujourd'hui. Je viens de recevoir ma première lettre d'amour. J'ai quatre-vingts ans. La lettre ouverte sur mes genoux fait danser les mots. Lue et relou, la lettre d'amour brûle sur mes genoux. Le feu a dû partir de là, de cet excès d'amour, des étincelles, il a fallu appeler le médecin. Eh bien, ce cœur euh, m'a l'air d'aller très bien. Fort mieux, je dois dire, qu'à la dernière consultation. On a pris un petit coup de froid, c'est tout. Je dirais plutôt en pensant à ma folle soirée musicale que j'ai eu un sérieux coup de chaud. Je vous trouve, euh, disons, voyons, plutôt tonique. Euh, docteur, voilà docteur, euh, il se trouve que enfin euh, j'ai fait une rencontre sentimentale. Oui, c'est là, une rencontre sentimentale. Alors je voudrais savoir comment euh, savoir si euh, euh, médicalement euh, je ne vois pas ce qui s'opposerait médicalement à une rencontre sentimentale. Avec, euh, au fait, quel âge le monsieur Je ne sais pas trop. Plus âgé que moi, je crois, mais si jeune. Si, si c'est un artiste, vous savez Excellent, ma chère. Excellent. Tout cela me paraît excellent. Je dirais même que je vous envie. Oui, je vous envie d'être amoureuse. 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 Il faudra bien trois jours de fièvre pour que mon corps consente à cette effarante, grisante évidence. Je suis amoureuse. Le rouge. C'est le rouge qui domine aujourd'hui, mais voilà il ne s'agit pas de n'importe quel rouge, c'est le rouge du coquelicot, ma couleur, ma couleur fétiche, cinquante années tombent d'un coup, cinquante années d'un mur de sable gris. On dit du coquelicot qu'il est la fleur du désir et si c'était le désir que je venais de rencontrer le désir coquelicot, le désir coquelicot. J'aimerais beaucoup vous montrer ma nouvelle chambre. Le plus cocasse, le plus cocasse, c'est qu'en y repensant plus tard, nous nous averons en riant, en n'avoir ni l'un ni l'autre, vu la moindre ambiguïté dans cette proposition toute spontanée de ma part. Vous riez comme Rosine, on dirait que vous chantez, oh, je trouve le compliment raffiné. Rosine n'est-elle pas notre secrète complice Voilà, nous y sommes. À ce moment gracieux des mots promesses, des mots caresses, le moment de la galanterie. C'est magnifique ces fleurs autour de vous, Marthe. Oui, elles sont extraordinaires, n'est-ce pas Elles sont si indéfinissables. Ce sont des coquelicots, des sortes de coquelicots. Lentement, chaque geste semblant éterniser mon attente décidée, mais un peu tremblante, je l'avoue, il se défait. Tous les cache cols tombent à terre jusqu'à la nudité. Je ne pense plus à rien. Je me dis simplement, j'aime le vieillard nu qui s'approche de mon lit. J'en suis assez sûre pour me dévêtir à mon tour avec la même lenteur, la même simplicité, jusqu'à la nudité. Je ne pense plus à rien. Je me dis simplement, lui aussi aime la vieille ma femme nue qui l'attend sur le lit. Nos deux corps se joignent, nos peaux sont douces, d'être usées, d'avoir frotté contre le temps les années, inlassablement polies comme les galets sur la grève. Je me sens galet, je me laisse rouler. À chaque roulis, j'aperçois de loin la tête d'Edmond qui bascule de plus en plus lugubre dans le cadre de verre posé sur la commode. Le pauvre Edmond. Edmond l'incompétent. Je n'ai jamais aussi tangué, hormis le jour où, devant les trois canons, une main, sa main s'était emparée de mon bras consentant. La houle d'aujourd'hui fait monter la marée. Elle sera bientôt haute, car la même main vient de fendre le galet que je croyais clos en plein milieu d'un coup de lame de fond puissant. Et dans les yeux de l'homme au milieu de Cachecol, à nouveau la fierté, car cette fois, il sait qu'il est pour quelque chose dans cet émoi. C'est bien ce petit cri-là qu'il voulait obtenir, et pas un autre. Contre ma hanche droite, ma hanche de jeune fille, je sens la, soie, la, la joie grandir, celle de l'homme aimé, nommé Félix. Félix pour vous servir, n'est-ce pas ainsi qu'il s'était présenté? Servi, je le suis. Je le suis pour la première fois de ma vie de femme, ma vie de femme au coquelicot. Depuis que je ne suis plus close. Depuis que j'ai été fendue, j'ai l'impression que tout me pénètre, me remplit, pleine. Je me sens pleine, investie, prise d'assaut. Edmond s'était contenté d'être à mes côtés, mais en dehors, extramuros en quelque sorte, ce qui d'ailleurs nous suffisait amplement. Félix, lui, est au-dedans. Est en moi. Aujourd'hui, enfin, j'apprends ce que signifie la vie à deux. Je porte l'amour comme la femelle kangourou, son petit, cher dans la chair, au plus intime, là où le corps et l'âme ne se distinguent plus. N'être plus à, la seule à agir, à penser, me fait mesurer la solitude vécue avec Edmond. Ce devait être une parenthèse. Une longue attente entre noir, en noir et blanc et sans parole. Le film en couleur de ma vie commence aujourd'hui. Je, je ne regrette pas pour autant d'être une vieille dame. Puisque c'est ce corps-là qui est désiré, ce corps-là qui roule sur la grève du plaisir partagé. Il faut bien convenir de la défaite de mon corps creusé froissé par le temps mais c'est sans affliction. Félix le chevalier de la lame de fond le pourfendeur de Galeclo j'aime le repenser allongé près de moi à marée descendante quand le roulis a cessé je suis subjugué par cette charpente d'homme un peu affaissée marquée par les signes de son existence j'aime à rêvasser sur le souvenir de son genou noueux, la peau élimée, presque transparente, de son épaule, le plissé odorant de son cou pour lequel je garde une tendresse très particulière. J'en viens, viens à me demander si Edmond avait vraiment un corps, un genou, une épaule, un cou. Mais très vite, mes pensées retournent à Félix au souvenir de son genou. Nous n'avons pas encore osé pour la nuit, pas osé dormir ensemble. L'après-midi, je garde mes cheveux coiffés, Félix, son air de chevalier. Voir Félix sourire, est-ce gravir le dernier cran de l'échelle d'amour La réponse s'offre à moi quand un matin, dans une autre maison que la mienne, je me réveille les cheveux défaits et que l'odeur du café embaume tout l'atelier. Dans la chambre au coquelicot, c'est moi qui accueille. Ici, à l'atelier, je suis cueilli. J'en perds la notion de qui je suis, et quand je reviens après ne lui à l'atelier, je titube dans la rue comme si j'étais ivre. Je le suis certainement puisque je ne me reconnais pas Marthe que diriez-vous d'un voyage à Séville? vui 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 oui. Je voulais vous dire que je suis particulièrement émue ce soir parce que c'est un jeune homme qui a eu l'idée, euh, très bonne idée, d'adapter La femme Coquelicot en monologue pour une artiste qu'il aimait beaucoup et qui s'appelait Thérèse Roussel. Elle a porté ce texte pendant plus de 15 ans. Elle avait 70 ans et elle l'a porté jusqu'à 85 ans. Et nous avons fait un sérieux, sérieux voyage ensemble. Nous sommes allés bien sûr dans des théâtres ici et là, mais nous sommes allés aussi dans des EHPAD ensemble, avec ce texte, pour le faire entendre plus au personnel soignant qu'aux habitants de cet EHPAD, qui ne les laissait pas s'aimer et qui ne les laisse toujours pas s'aimer comme ils voudraient ses amoureux tardifs et quand le matin le lendemain matin d'une visite dans un hôpital on entendait parler d'un mariage à l'EHPAD, on était très contentes Mère Thérèse et moi on avait, on avait réussi notre coup si je puis dire voilà. et euh, Thérèse est morte dans un, une maison d'artistes près de Montparnasse elle m'a donné cette robe avant de mourir c'est la robe qu'elle portait en scène. J'ai voulu la mettre ce soir pour la première fois pour lire ce texte et je l'ai lu avec sa voix en moi, son cœur en moi, son âme en moi. Et ces applaudissements, je les prends, merci pour eux, mais je les prends pour elle.